Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Nous sommes en pleine période estivale, une période où la vigilance doit plus que jamais être de mise sur les routes. Cette période de grandes vacances est en effet très souvent meurtrière et pour parer aux risques qu'elle présente, le Comité national de prévention des accidents de la route et de la circulation a mis en place des dispositifs spéciaux pour sensibiliser la population. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui M. Benassa Boulajoul. Vous êtes le secrétaire permanent du CNPAC, le Comité national de prévention des accidents de la route. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci et merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Boulajoul, je le disais, cette période estivale est particulièrement difficile à gérer, j'imagine, pour vous, avec l'augmentation du trafic et des chassés croisés de vacanciers. Nous sommes d'ailleurs à la veille d'un week-end où les juilletistes croisent les gens qui partent plutôt au mois d'août. Qu'est-ce qu'elle représente en termes de proportion par rapport aux accidents annuels? Est-ce qu'elle peut faire basculer les chiffres dans un sens malheureusement négatif? Effectivement. Donc, déjà à ce niveau-là, il faut rappeler que pratiquement les statistiques, les chiffres que nous avons enregistrés à la date d'aujourd'hui concernant les 5 premiers mois de l'année 2017 sont très encourageantes en termes de statistiques concernant notamment le nombre de tués, le nombre de blessés graves. Dans la mesure où on a enregistré pratiquement une moyenne entre 6 et 8% de baisse, aussi bien pour le nombre de tués que pour le nombre de blessés graves. C'est les deux indicateurs qui nous intéressent au niveau de la sinistralité routière. Donc c'est très important, mais ce capital quand même que nous avons aujourd'hui, on risque de le perdre s'il n'y a pas pratiquement, si on n'agit pas durant cette période estivale qui est marquée par une forte augmentation du trafic. Ça représente plus du tiers du trafic qui est enregistré durant l'année. Donc il y a de quoi, justement, il faut tout faire pour communiquer, pour sensibiliser, pour contrôler aussi, pour essayer d'encadrer le comportement des usagers de la route et peut-être faire perdurer un petit peu cette tendance baissière qui est enregistrée pratiquement durant les 5 premiers mois de l'année 2017. Est-ce qu'on a déjà un premier bilan du mois de juillet, qui est le premier mois de cette période estivale particulièrement sensible? Malheureusement, on n'a pas encore les données de juillet parce que généralement, on obtient les données du mois N, donc pratiquement le mois N plus 1 vers la fin du mois N plus 1 en termes de sinistralité. Mais on sait que la période de juillet, les périodes de grand départ, ce qu'on appelle dans le jargon les périodes de grand départ, sont caractérisées par une forte augmentation du trafic. Et sur le plan scientifique, il y a une forte corrélation entre l'augmentation du trafic et l'augmentation du risque. Maintenant, le grand défi, c'est comment arriver à écarter les deux courbes, c'est-à-dire tout en ayant, c'est-à-dire cette augmentation du trafic qui est tout à fait normale, qui est due au besoin de déplacement de la population, mais tout en maîtrisant le niveau de risque. Et le niveau de risque, je pense qu'on ne peut pas le maîtriser sans avoir justement l'adhésion totale et permanente des usagers de la route, mais également tous les acteurs institutionnels, notamment en termes de contrôle. Alors, quels sont les dispositifs que j'évoquais tout à l'heure en introduction qui sont mis en place par vos services, et notamment, je le disais, à la veille de ce week-end de trafic très important? Alors, au niveau de la communication, dans le cadre des missions qui sont dévolues à notre structure, donc c'est la communication, la sensibilisation, on essaie de diversifier un petit peu notre arsenal en termes de communication, que ce soit à travers une forte présence sur le plan médiatique, c'est-à-dire au niveau de la radio, au niveau de la télévision. On essaie de développer et de mettre en place différents genres de types de communication, notamment des spots, des capsules, des émissions dédiées comme celles dont on parle aujourd'hui, mais également on essaie de renforcer un petit peu les actions de proximité. Aujourd'hui, on est présent au niveau des aéroports, au niveau des centres commerciaux, on va être très bientôt présent au niveau des gares routières, mais également au niveau des aires de repos, c'est-à-dire sur le long du réseau autoroutier. Et on essaie de mobiliser un petit peu l'ensemble des acteurs concernés. Et dans ce cadre, on travaille cette année, pour la 6e année consécutive, avec un acteur professionnel, donc c'est une entreprise nationale, donc dans le cadre de son développement, dans son épanouissement, mais également dans son intérêt pour les problématiques qui sont au niveau national et qui concernent surtout l'aspect sécurité routière. Donc on travaille pour la 6e année consécutive à travers des actions de proximité. Ça fait chaud au cœur d'avoir des entreprises, des opérateurs privés qui s'intéressent à la sécurité routière, sachant que nous avons toujours cet objectif d'avoir l'intégration totale de la dimension sécurité routière au niveau du management interne de l'entreprise. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir des opérateurs privés qui s'intéressent à la sécurité routière, donc il faut les encourager, il faut les assister. Et c'est pour ça que cette année, justement pour la 6e année consécutive, on va être
présents durant ce week-end, justement, dont vous parlez, donc de présents au niveau des aires de repos, avec des actions de proximité avec les citoyens, en essayant de les sensibiliser et d'attirer leur attention sur les facteurs de risque qui les guettent sur la voie publique. Alors, est-ce que vous avez des mesures d'impact de ces campagnes de sensibilisation, notamment à travers les médias, notamment au travers des campagnes de proximité comme celles que vous venez de mentionner? Est-ce que vous avez des mesures de leur impact? Alors, on a différents types de mesures, différents types d'indicateurs. Donc, on a tout un baromètre d'indicateurs qui sont utilisés. Donc, déjà, pour toute la partie média, c'est-à-dire au niveau de la diffusion, donc on a un retour, la veille qui est assurée pratiquement pour tout ce qui est diffusion. Donc, on a un indicateur sur le nombre de vues qui sont enregistrées, c'est-à-dire à travers les différents supports qu'on utilise, que ce soit au niveau de la télévision, au niveau de la radio. Et des campagnes d'affichage aussi, parce que j'ai vu un chiffre de vos services, justement, 90% des personnes interrogées disent que les campagnes d'affichage les ont poussées à faire plus attention. Effectivement, donc on est présent également au niveau sur l'affichage urbain et interurbain, parce que rien qu'au niveau de l'affichage, nous avons un parc pratiquement de l'ordre de 180 faces d'affichage propres au CNPAC sur tout le réseau routier national, et ça nous permet justement de communiquer avec les usagers de la route, notamment avec les conducteurs, en prenant en considération les spécificités locales, parce qu'une région de montagne, ce n'est pas une région de plaine, etc. Donc on essaye d'aborder un petit peu les spécificités locales. Parfois, il peut y avoir un problème au niveau des alignements de voies. Généralement, on a un problème de vitesse. Dans les régions montagneuses, donc on a un problème, par exemple, de visibilité, etc. Dans les régions agricoles, donc il y a un problème de traversée, de cheptel, etc. Donc on essaie d'aborder un petit peu les spécificités locales. Mais en termes d'indicateurs, comme je vous ai dit, donc nous avons, on a mis en place, ça fait pratiquement pour la cinquième année consécutive, de manière régulière, on observe le comportement d'usage de la route à travers un certain nombre d'indicateurs, notamment pour tout ce qui est port du casque, port de la ceinture de sécurité, le respect de la vitesse limite, le respect des feux rouges, le respect des panneaux stop, etc. Le respect donc, c'est du code de la route, tout simplement. Et ça, on le matérialise à travers un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs, ils sont extrêmement importants, aussi bien pour nous, en termes de communication, parce que ça nous permet le fait d'avoir une série chronologique d'observation, ça nous permet de voir un petit peu la tendance, donc elle niveau on se dirige, mais également pour les autres acteurs, notamment pour les corps de contrôle. Si on remarque qu'il y a une augmentation au niveau de l'emport de la ceinture de sécurité, donc les corps de contrôle prennent le relais et la relève est justement pour renforcer un petit peu le contrôle sur ce type de comportement qui nous paraît inconforme par rapport aux dispositions de la réglementation. Une dernière question, Monsieur Boulanjoul, il nous reste deux petites minutes. Lundi dernier, le projet de loi portant création de l'Agence nationale de la sécurité routière a été adopté. Vos services vont être transformés, intégrés dans cette agence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quelles seront ses prérogatives? Quels seront ses moyens? Et qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la mission qui est la vôtre? Alors, sur le plan institutionnel, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité routière au niveau national, il est en phase de mutation. Et il y a du changement profond, des changements structurels qui sont en train d'être opérés sur le plan national. Tout d'abord, nous avons une stratégie nationale de sécurité routière 2017-2026 avec des objectifs très clairs, avec notamment la réduction de moitié le nombre de tués à l'horizon 2026. Et de 50% à l'horizon 2021. Donc cette stratégie, elle est mise en œuvre à travers des plans quinquennaux. Donc le premier plan, il vient d'être adopté, d'ailleurs au niveau du comité interministériel de sécurité routière présidé par le chef de gouvernement. Et pour accompagner cette stratégie, on a un autre projet qui est extrêmement important, qui va façonner de façon, importante le paysage de la sécurité routière de notre pays, c'est la création de ce qu'on appelle l'Agence nationale de la sécurité routière. Alors cette agence, il consiste à regrouper au sein de la même structure l'ensemble des métiers liés à la sécurité routière. C'est-à-dire centralisation de ces acteurs. Non, plus que c'est beaucoup plus un rassemblement, un regroupement des métiers, mais également avec la possibilité d'avoir des représentations régionales. Parce qu'aujourd'hui le CNPAC, il est à Rabat, il est au niveau central, on n'a pas d'antenne régionale. Donc à travailler au niveau local, donc on s'appuie sur les directions régionales. Donc il y a des relais de cette agence. Donc l'agence aura des relais justement au niveau régional, donc c'est une occasion pour mettre en œuvre la stratégie nationale de la sécurité routière au niveau régional. Mais un élément qui est très important, c'est le fait de regrouper un petit peu les métiers et d'investir d'autres leviers qui n'ont jamais été essayés au niveau de la sécurité routière. Donc demain, ça va être également possible, notamment dans le cadre de la promotion, de la collaboration avec les acteurs locaux, notamment les collectivités locales. Merci beaucoup, M. Boulanjoul, d'avoir été avec nous. On insiste donc sur la vigilance nécessaire sur les routes à la veille de ce grand week-end de trafic. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur Médien TV.